le marc de l'info. Plus de 300 000 personnes ont manifesté contre le mariage gay, un sujet qui fait parler les vampes au lavoir de Boux-sur-Suippes. Oh, bah, vous avez entendu, Gisèle ? Vous en pensez quoi, vous, des gays ? Ah, bah, je vais vous dire, Lucienne, ça m'est égal. Du moment qu'ils se marient entre eux, ah, moi, pendant ce temps-là, ils ne cherchent pas à me draguer. Oh, bah, c'est vrai qu'avec votre barbe à la George Michael, vos lunettes à la Yves Saint Laurent et votre fichu à la Boy George, vous devez plaire chez les gays. Ah, mais sans blague, mais de quoi je me mêle ? Mais qu'est-ce qu'elle en sait, la Morespo du pénis ? Bah, figurez-vous qu'il y a des poissons qui ont des grosses saletés et pourtant ils sont moins dégustés. Oh, vous fâchez pas, Gisèle, c'est vrai que c'est bon, la morue. C'est ça. Et bah, la semaine prochaine, hein, vous ferez la causette à Madame Rodriguez. Et puis moi, j'irai défiler avec Jean-Paul Gaultier. À son puits, en pays Vitrial, le spectacle des pieds nickelés a rencontré un gros succès. Hein. Vous voulez intervenir, Elise Moon? Quoi? Qu'est-ce que j'entends dans mes paraboles d'été, là? Bah merde alors! Bah bien sûr que je veux intervenir! D'ailleurs, je m'assure, j'en fous contre cette information aussi sotte que grenue, monsieur Cicli! Je vous en prie, hein? Allez-y! Car j'affirme que les pieds nickelés n'étaient pas tous à ce puits! Ah bon? Et pour quelle raison vous affirmez ça? Bah tout simplement parce que Hollande faisait une petite sieste pour préparer son allocution, Valls gazait des manifestants et Hérault jonglait avec le budget de la défense! Ah, ils étaient tous coincés à Paris, les pieds nickelés! Attention, on me la fait pas, moi, monsieur Cicli, hein! Oh, oh, oh. Vous filtrez un mauvais coton! Merde alors! La mairie de Paris va tester des moutons en guise de tondeuse. C'est astucieux et étonnant, hein, Jean-Pierre Coff. Mais bon sang, mes enfants, mais on perd la tête. Déjà qu'au bois de Boulogne, on peut se faire brouter par des chèvres. Si en plus on y ajoute des moutons, mais c'est de la concurrence déloyale, vous comprenez. Alors, bien sûr, les moutons aiment l'herbe, d'accord, mais qu'on s'est posé la question de savoir s'ils aimaient aussi le latex. Hein, alors déjà qu'on a du cheval dans nos pattes, de la merde dans nos tartes, il manquerait plus qu'on ait du caoutchouc dans le mouton. La tradition veut qu'à Pâques, au Nicaragua, on mange des animaux tels que des tatous, des iguanes. Vous trouvez ça ragoûtant, vous, Jean-Marie Bigard? Ben là, je vais te dire un truc, hein, mon vieux Jean-Marc. Pas vieux. Bon, enfin, t'es plus de la première jeunesse non plus, bon, hein. Ça, les gens ont de la chance d'avoir le son et pas l'image, quand même, hein. Alors... Ah, si tu me cherches, tu vas me trouver, non, hein. Bon. Je ne dis rien, Jean-Marie Bigard. Bon, reste texte, hein. Je vous laisse faire. Ce que je voulais dire, c'est tout, c'est qu'il y a un moment donné, il faut quand même plus déconner, hein. Non, parce que même si au Nicaragua, il y a des blaireaux qui bouffent ces bestioles, nous, en France, je peux te dire qu'on n'a pas eu besoin d'attendre la Pâque pour nous faire avaler des couleuvres, hein, si tu vois ce que je veux dire. Je ne dis pas rien. Et puis, comme dit ce vieux proverbe d'Amy Whitehouse, dans le tatou, tatou. La pilule contraceptive pourrait être dangereuse pour la santé des femmes. Vous partagez cette opinion, Madoula Niçoise ? Oh, bah oui, mais bien entendu. Et moi, j'y ai dit à Albert, mon mari. J'ai dit, Albert, à partir de maintenant, je prends plus la pilule parce que ça m'escagasse la santé. Bon, alors, il faut dire que mon mari Albert a la prostate, qu'elle est le contraire des banques de l'île de la Chypre, si tu vois, hein. C'est-à-dire que lui, il a beaucoup plus de liquide, déjà. Ça va. Alors, j'y ai dit la prochaine fois que tu auras la bouffaris qui te monte au tuyau, je mangerai une pomme. Alors le pauvre, il m'a dit avant ou après. J'ai dit mais non, à la place du radada. Et bien pétard ou la colère, il a pissé contre les rideaux. Alors, mais... À Châlons-en-Champagne, en vue de la saison de chasse, l'association Les Belles Perdrix s'est réunie sur le territoire de Tibi pour la campagne des Perdrix. Réaction du président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg. Oui. Oui. C'est une très belle initiative. Mais il est dommage que les trois plus belles espèces de perdrix protégées, donc attirables, ne soient pas montrées.
En l'occurrence, je pense à la Hazan Lilloise, la Vautrin UMPiste Rose Péteuse et la magnifique Adam Blonde à Hupe Cendrée. Mais sans doute préparent-elles leur nid de printemps. Pierre-Yves Noël, merci beaucoup. Merci public en délire. On remercie les auteurs Yves Moreau, Giacometti et Guy Vasconi. Et ce soir, vous serez produit par Berlusconi. Ce soir. Non, je rigole. Pardon ? Spectacle ce soir. Tout à fait. Je serai d'Empire au Temple à la salle Omnisport, si ma mémoire est bonne, à partir de 20h. Eh bien, écoutez, bon spectacle. Merci.